Petit 25 mai, mesdames, messieurs, tout partout, cap côté, et puis suivre tant de nouvelles sur Sofia TV 83. Nous avons plaisir pour m'informer, mais plusieurs points qui pourraient faire essentiel dans la nouvelle là pour aujourd'hui à rappeler ses premiers sautines pour semaine. Ça, quatre individus pour Pipiti joignent arrestation dans la nuit, sorti 14 mai pour arriver 15 dans la ville de Gonaïve. Côté, ils ont rapporté à Bolo, fait partie assassin ça. Côté, ils ont fait connaître ses bras droits, ancien sénateur, la Tibonite, ils ont eu la tortille qui gagne 4 lots. Moun ensemble avec mais comme ça tout yo dit c'est chauffeur sénateur et c'est lui même qui était dans dol tout côté le passé. Cependant toute soirée c'est coup de balle cap tiré par ci par là pour le matin lundi 15 mai marché à craser plate gros couri élève gaillé par ci par là en pile balle en bas la ville chaud jusqu'à présent villa en kemakak après arrestation à Bolo qui fait le 14 mai dans une bar qui situé dans la cour Gonaïve pour côté n'a parlé. Haïti dossier insécurité, moun yo pas arrivé identifié passer son machine dans station qui trouvait dans bon repos côté chauffeur motocyclette yo tap tann passager pour aller passer par là dans pays a sortant d'y là plus passer 9 la dan yo massacré en bas coup de balle et jusqu'à présent yon enquête déjà en cours côté la police a essayé chercher connait qui les moun qui a bon machine ça et pour qui ça tout yo ta ouvri coup de balle sous chauffeur taxi ça yo qui au moins des 9 vidéo vraiment choquant. Nous pas qu'à présenter j'en des images ça yo dans ville cap pour petit 4 bandits tombé en bas code dans un embuscade la police t'est paré yo fait connait nèg ça au tap sorti dans la Tibonite yo fait partie équipe grand griffe là qui t'a essayé sauver pourquoi il est là yo nan men la police yo pas répondre à question et sous ça yo t'a reproché yo c'est dans même optique ça opération Guacalia a lancé ville Gonaïve t'est fait premier apparition par mettenol dans l'issa comme ville qui boule 4 individus à gros âme nan men yo mais pourquoi il est là c'est gros par pile qu'a fait dans zone route Matissan la police mandé pour moun pas traverser. Mesdames messieurs amis de partout moun k'ap suiv nou dans quatre coins monde là pour déconnecter gien en pile information qu'on peut attendre dans nouvelle là pour journée jodia qui te me dit ou sous Sofia TV 83 si vous pouvez faire ça songer abonner ensemble avec nous ou joindre en pile détail dans nouvelle là suivi déclaration chef la police la France LB qui parlait à population. Pendant n'a parlé à Gonaïve li et gagné gros tête chargé cap développer la dani puisque depuis matin gagné coup d'arme automatique cap chanté dans région Raboto côté machin yo qui habitué à vendre dans marché public Gonaïve là tap couri passé par là parce que zam coup d'zam t'a tiré dans zone là mais c'est pas matin seulement c'est depuis hier soir gagne coup d'zam qui t'a tiré eh ben raison c'est parce que la police s'est arrêté et yon citoyen qui c'est moun Raboto et yo considéré comme bras droit ancien sénateur Yuri La Tortue, et c'est la police qui a arrêté la ville Gonaïve hier au soir dimanche 14 mai. C'est Junior Barthélémy alias Aboulo, en pile monde considéré, j'en dis un, comme bras droit ancien sénateur Yuri La Tortue. Il a arrêté monsieur sous accusation, association malfectaire, assassinat, comme monde qui t'a boulé par la justice Gonaïve là. Et Aboulo pas arrêté pour compte lui, il a arrêté avec trois autres jeunes garçons qui étaient à Cli. Non moun sa yo c'est Aneska Emmanuel, yo considéré comme un ancien policier, à 10 Gaston qui sont employés ONA, yo accusé comme nèg qui était bat dans l'église catholique Gonaïve là et un militant politique c'est Bordenave. Il était gagné à Clito et pour Isten Biron. Trois messieurs ça yo, yo joué une arrestation yo en même temps avec Junior Barthélémy alias Aboulo. C'est sous route Bienac nan yon et bar restaurant hôtel côté messieurs yo t'es allé yo arrêté yo. Yo arrêté messieurs yo avec zam nan men yo. Semblait c'était trois là d'ailleurs qui étaient gain zam puisque c'est trois zam yo dit la police saisie
et puis il saisit téléphone monsieur yo côté il a pu garder qui sa téléphone ça yo gain là-dedans yo fon dit que Aboulo te gagné un mandat alors pas oui un mandat arrestation derrière lui puisque gagné un avis de recherche que la police nationale te mettait derrière Aboulo et dans avis de recherche ça infraction que reproché lui c'est assassinat acte de terroriste enlèvement association de malfaiteurs donc Aboulo c'est Negraboto et yo présenté lui avec plusieurs photos côté il te gagné et plusieurs gros armes automatiques nan meni et malgré gagné en pile nan partisan li qui fait connait que c'est une arrestation qui pas campé sou rien et yo fait connait que Aboulo c'est un militant li pa yon bandi Jean Moun a fait quoi ou bien Jean la police ta fait quoi mais Aboulo depuis hier soir monsieur nommé la police donc je dis à li ta doué présenté devant juge naturel li pour yo connait et est-ce que li coupable de ça yo accusé li gagne information qui a circulé en pilote nouvelle en pilote information qui a circulé sur Aboulo information que nous rejoignons matin et qui sur toutes les réseaux sociaux Aboulo semblait te gagne go relation avec plusieurs bases bandits en particulier base Gagrif Savien parce que information fait qu'on est que Dédé qui t'est présenté à qui une grenade dans que le tap fait exhibition à Cli pour te bail monsieur coalition yo qui t'est pour te bail monsieur coalition yo et pression et ben c'est à Aboulo qui t'est prêté et Dédé grenade ça pour te ca fait et exposition ça pour te ca bail pression ça donc que Aboulo yo accusé comme moun qui gagne relation avec et plusieurs groupes armés dans la Tibonite là en tout cas et n'a gagné pour nous tourner sous information Sayo puisque c'est au fur et à mesure et information a venu sous monsieur Sayo qui a arrêté hier au soir dans et Gonaïve sous bien aclan côté yo arrêté yo exam et puis la police saisi téléphone yo donc la situation ça fait que gagné yon situation tension qui alors action ça la cause gon situation tension qui a pu dérouler dans ville Gonaïve spécialement dans centre ville là côté depuis hier soir gagné coup de zame automatique cap chanté et gagné en pile parents qui gagné quelque cassé et qui était même et gagné difficulté pour te voyer timon l'école matin puisque coup de zame automatique ça cap chanté a bail qu'est sauté nan mitan famille. L'autre information n'a gagné pour nous baoula c'est que gagné France LB qui c'est directeur général de la police là qui bail yon bilan sur opération la police a mené dans tout pays à compte bandi d'après France LB la police a saisi plusieurs armes automatiques dans les bandits gen pile bandi qui tombé et la police a continué à faire opération spécialement dans village de Dieu côté au déjà crasé en pile caille et il a avancé sous base en 5 secondes qui gagne la dernière ISO mais jusqu'à présent il n'y a pas connaît si ISO en dedans village ou bien s'il gétant jetel en côté France LB qui a bailli un bilan sous opération la police a mené pendant toute semaine là spécialement dans week-end là contre plusieurs bases bandits en dedans pays là. La police là continue à mobiliser dans tout le pays dans le combat contre les bandits pour protéger la population et aider la population à mener l'activité libre. Dans le ça, la police libre saisit en pile d'armes à tension. Plusieurs otages libérés. Véhicules qui étaient volés, récupérés. La police libre mettait hors de l'avenir plusieurs bandits. Les résultats sérieux, ils arrivent fait grâce à détermination, volonté, esprit de sacrifice ou un policier. Et puis, à gros support, population. En gros,
continuer mariage police-population, mariage tout secteur en l'envie nationale, là, rester la loi, la constitution pays, pour finir la situation insécurité pays. Vive la police nationale d'Haïti, victoire, c'est pour nous. Yon go fusillade qui fait dans yon localité qui rele Bossab dans zone Bon Repos dans commune Croix des Bouquets. C'est quelques nèg qui était passé à bord yon machine qui a tiré sur un paquet chauffeur taxi moto qui était dans station dans zone ça. Et pour petit gagne 9 moun qui mouri sous place, gagne plusieurs autres qui blessés. Drame ça arrivé dans moment côté la police ça mené opération dans capitale là pour capable déloger bandi sans foi ni loi qui acheté capitale là l'agent content. Donc c'est dans zone Bon Repos dans une localité créée Bossab et monsieur Sayo perdit la vie c'est nèg sous machine exam qui passait qui tirait délibérément sur chauffeur taxi qui était dans zone là et ben gagné 9 là-dedans qui mourit sur place moun qui gagné possibilité capable garder sur plusieurs groupes WhatsApp monsieur Moto Sayo qui couché à terre après finir ses balle bandit Sayo qui était à bord yon motocycle alors qui était à bord yon voiture qui tirait sous moun sa yo qui t'a fait taxi moto et gagné dans ville Gonaïve samedi ville Gonaïve était chaud et après bandi t'es fin subi d'akadi attaque population dans cadre opération BK ça qui t'est arrivé effectivement c'était exactement c'était yon et petit bus qui t'a sorti Port-au-Prince il est arrivé dans zone Henry gagné un checkpoint que la police t'a fait là et monsieur a tombé sous quatre alors trois et nèg qui était dans machine n'a plus chauffeur a fait quatre. La police a été arrêtée et conduite dans le commissariat Toussaint Louverture Gonaïve. Les arrivés là, ils ont joint monsieur te gagné plusieurs sacs qui te gagné cartouches tout calibre et spécialement calibre 5.6 mm qui a tiré dans les armes d'assaut tant que T65 M4 M14 etc. Et te gagné yon zam automatique nan men monsieur tout la police t'a arrêté yo maintenant population qui était au courant que gagné quatre bandits et bien armés qui était dans commissariat population débarqué dans commissariat malgré police yo t'a fait tentative tirer en l'air pour repousser population mais moun yo pas tande yo pas toi yo pote bourré. Yo prend 4 monsieur Sayo, 3 et bandi yo plus chauffeur yo et boule yo touye yo d'abord après ça yo mettait du feu à caoutchouc sur yo devant commissariat et Gonaïve là et par la suite moun ta pral connaît monsieur Sayo c'est des nèg qui t'a chercher munitions pour te porter bail à monsieur Kokrata sans ratio et yo c'est moun zone là gen yon la dan yo ki te gen telefòn yo le ofre telefòn nan yo jwenn nan plizye et foto ke ti moun pa ka gade sou telefòn yo kote et menaj li tape genyen genyen pozisyon indesant la dani donc la polis te kembe telefòn monsieur sa yo kote ap fouye yo et yo jwenn plizye konversasyon et menm komunikasyon ki yo te genyen avec responsable Kokwat Sarasyo spécialement Meyer qui était gagné pour te tendre monsieur Sayo qui t'a porté marchandise Sayo pour yo faut dire que après événement ça et général Meyer fâché en pile et il était relé commissaire principal ou bien commissaire municipal Gonaïve là monsieur Philippe et juste qui lui-même a dirigé commissariat Gonaïve là côté il fait l'en pile menace
et Meyer avec toute frère li Bendy qui a dirigé base concourante Aslan menacé pour yo et passer à l'action après yo fin a fait gros pète ça pète en vie humaine pète en matériel équipement yo t'a pral recevoir pour te ka continuer et goumen. Alors ça a montré que monsieur yo yo très faible et yo gen problème munition parce que gagnent et général Meyer qui te gen machine nik boulé dans opération la police te fait dans la Croix-Péris dans spécialement dans base yo dans Joannis machine ni te boulé avec un pile cartouche la donne et voilà que cartouche ça te gen pour te recevoir li pas recevoir yo ça soulevé colère monsieur yo dans base Kokoratras qui menaçait passer à l'action sans yo pas dit qui ça yo pral faire pour venger et Fred Damio qui tombé dans opération BK dans ville Gonaïve. France LB t'a visité ailleurs et sous commissariat Portail Léogane côté policier yo a mené opération pour déloger bandi 5 secondes yo ISO a dirigé France LB qui te gagné plusieurs policiers te à la visiter policiers qui a mené opération ça pour t'aller bah au support moral pour yo capable continuer opération gagné un journaliste radio télé Caraïbe chaîne 22 qui t'est accompagné directeur général là te font petit bout de déclaration nous vite au côté police allié en mode opération donc m'a passé visiter différents commissariats et différentes unités spécialisées pour encourager les policiers dans la lutte que nous avons menée. Nous, aujourd'hui, la police a trouvé un cafou historique, côté que le pays a la population besoin plus que jamais. Donc, il est important pour que nous unissions au sein de la police, au commandement, si personnel, toute police en général, pour nous faire un seul. Pour une réponse à bandit et permettre que la population vive normalement. Alors, quand on a parlé là, nous qu'on a gagné, nous pas parlé des fois les tactiques, nous, les travail qu'on a fait, mais gagné des bruits qui dit que nous décider pour nous bail bloc ça, on souffre dans affaire bandit et nous-mêmes nous gagné deadline qui l'heure jusqu'à qui l'heure pour nous clean périmètre ça. Nous pas gagné l'aise, sauf que nous avons dit population, gardez calme. La police a mobilisé et au jour le jour, n'a renforcé la bataille que nous avons menée contre gang. Et toute qualité bandit. Voilà, vous avez écouté une petite déclaration tout coûte. France LB, directeur général de police, n'a été fait. Et dans le commissariat Léogane, côté sous-commissariat Léogane, côté l'Ital Ren, visite à un policier qui a fait laisser frapper avec un bandit dans la zone. Il faut dire qu'il y a un pile bandit qui déjà boit de l'eau bouchée dans le cadre d'opération. Il y a plusieurs âmes, la police a récupéré. Il y a deux bandits qui très important pour base 5 secondes là qui boit de boucho d'abord gagné Tizo qui c'est principal administrateur base là qui tombé et puis gagné un déporté qui lui-même tombé et dans cadre d'opération la police à Pénéa et yo la police descend monsieur avec un Beretta tout neuf clairé qu'il te gagne dans mené puis gagne l'autre qui très connu que yo relé tête pas droite c'est un qui chargé avec un paquet d'épingles dans toute figure. Monsieur t'a assemblé lui-même tout bois de l'eau bouche avec plusieurs autres. Sa côté, ils ont latrié membre en base 5 secondes là qui sauvé qui était base là et qui a prend plusieurs directions surtout qui a payé ouais c'était qu'à échapper pour lui quitter capitale là. C'est comme ça la police dans la ville cap-haïtien rivé poser la patte sous neuf là-dedans qui était à bord. Il y a un petit bus qui tape la République dominicaine dans la zone où on a mis pour traverser les frontières. La police a arrêté. Pour qu'on y ait, monsieur Sayo, il y a une main autorité, la police, qui eux-mêmes prennent le gain pour poser aux questions.
pendant week-end nan tou gen yon cas très spécial qui rive qui mettait de l'eau nager en pile moun nan zone Trive la Tibonite. Gen yon jeune petit garçon, monsieur gen à peu près 24 ans, monsieur relé Steve Pierre Louis. Donc monsieur et perdit tête li et 2 jours après maman te fin mouri. Monsieur Tetli Pati, monsieur Tefou, il quittait la Kaili, parents t'ap cherché, il pas connait qui côté le fait, et c'est après, il pral joindre que monsieur c'est dans zone Savana Roche, il était metté tête dans localité qui relé Boakola, et te gen brigade vigilance qui t'a fait dans zone là, nek zone là kebe monsieur, il a posé le question, Tetli pas bon, monsieur après répondre question tête en bas, gauche à droite. Monsieur O, pas te tenu compte de état mental. Jeune garçon, ça, monsieur Rachel Akmachette, yo bali Boakale. Donc, c'est une situation qui tragique qui arrivait dans la commune Trive la Tibonite, côté, nèg Savana Roche, spécialement dans une localité qui est le Boakola. Yo Rachel Akmachette, mettez du feu sous lui. C'est Steve Pierre-Louis, un jeune petit garçon qui a 24 ans. Monsieur, c'est tête qui parti parce que maman mourit Britsoukou. Monsieur décontrôlé, donc problème mental. Au lieu de zone ta et accompagner lui, et il t'a posé la question, monsieur t'a prononcé une question tête en bas, et il a demandé dans qui gang lié, est-ce qu'elle est dans base gang griffe, monsieur a dit oui, elle est dans base gang griffe, qui zam li pote li pa konnen, et li di odma, et t'a travaillé pour protéger la Tibonite là, et monsieur dit dans l'autre za, dans l'autre gang qui position te gagne pas connait qui zam li te pote li pa konnen. Donc d'après répondre question de façon tête en bas au lieu monsieur te comprendre que c'est un monde qui perd tête li yo te comprendre que c'est un nèg qui c'est même gang c'est dépaler d'ab dépaler et puis monsieur Balboakale malheureusement c'est un jeune garçon 24 ans qui perdu maman c'est tête li qui parti. Et c'est une action qui soulevait colère en pile monde et qui mettait de l'eau danger en pile monde qui a vivent dans et communauté de la Tibonite spécialement dans Boukla. Comme ça, on a pral retrouver et collaborateur nous et Venesse Désir lui-même qui pral dit non comment situation présentée le jeudi à la matin là dans la commune Trive la Tibonite. Bonjour Venesse. Justice Boakale qui lancé dans tout pays a fait une première victime dans la commune Trive la Tibonite surtout dans camp innocent avec trouble mental yo. Steve Pierre Louis parti quitter la Kaili depuis jeudi famille t'a cherché yo pas de joindre. C'est dans vendredi soir, il était pris en direction Savana Roche, 4e section Trive la Tibonite, dans la localité Boakola, brigade qui gagne sous zone là, rencontré il, yo té kembel, maril, a interrogé, posé une série de questions qu'elle t'a répondu tête en bas. Malheureusement, ensemble brigade yo pas à la hauteur, pour yo té ouais, c'était un monde tête pas droite. Ça la cause que ce jeune garçon 24 l'année ça qui était très brillé l'école perdit la ville n'a pas rappelé Steve Pierre lui t'a pris le petit tête lui c'est après maman te fin mouri situation si là la cause gros débat dans mitan communauté rivatibonicienne nan sous mouvement Boakale qui lancé à travers pays a et même des propositions faites bon côté population pour mander avec brigade qui a besoin yo pour vérifier bien ensemble des monde que yo rencontré yo pour yo chercher assez évidence avant yo exécuter yo. Pour matin lundi 15 mai 2023, population dans région Balatibonitlan levé avec un calme apparent surtout dans tronçon route traversé sous commune Liancou dans Morodoué pour qu'on ait information qui signalait que bandi basgan griffio sorti pour venir terroriser population et n'a rappelé son tronçon route qui censé abandonner population qu'a traversé pour sortir de rivière la Tibonite verrette à commune Liancou pour rentrer dans ville Saint-Marc c'est dans flambon yo obligé passer une course qui était coûté yo 500 goud pour kounia a coûté 5500 gouttes pour traverser, n'en passer par monde pour rentrer à régler activité personnelle qui ont gagné tant dans ville Saint-Marc ou bien dans ville Gonaïve. Situation sur route nationale numéro 1 dans niveau Kafoupey, c'est toujours compliqué par rapport avec éventuel sorti que bandit terroriste Zago Loray escadron la mort base gang griffio toujours sorti pour venir faire kidnapping, actouiller ou bien violer monde qui a traversé tout son route si là que la cause ensemble monde qui vivent dans région Balatibonite là, pas jamais suspendre questionner ou lever voyou pour demander responsable dans la police là
pour penser à la situation qui a déroulé dans la région Balatiboun-Clan qui la cause. Ensemble, activité commerciale n'a pas qu'à bouger, pas qu'à fonctionner depuis un bon bout de temps. Le même jardin, population en qu'on fait, qui ou bay kayo manje ak repon avec besoin timoun yo ki l'école depuis un bon bout de temps ensemble activité sa yo paralysé. Habitants k'ap viv nan 6e section commune Dessalines dénoncé yon groupe bandi ki vin pran essence nan localité Grandbit ki ap fè exaction sou population ki nan zone si la. Yo mandé avec responsable ki nan zone nan surtout Kazek ak Asek yo pou pran responsabilité yo pou démanteler réseau gang sa k'ap monté ki représenté yon menace pou population ki déjà fait plusieurs cas kidnapping et poter aller plusieurs têtes bêtes population qui vivent dans zone dans 5e section Tirivière la Tibonite population dénoncé même groupe gang ça qui rentré fait plusieurs viols sur des jeunes femmes qui en dedans caillou et même levé dans yo pour aller la caillou responsable dans section communale yo fait quoi qui a faire face avec gros difficulté par rapport à commissariat Tirivière la Tibonite qui fermé pour ça yo mandé à responsable de la police dans au niveau département hein, pour penser avec réouverture commissariat Tirivière la Tibonite pour empêcher situation insécurité à suspendre augmenter au niveau communauté surtout les ou même dans flambon nan monsieur al envahi ou en l'air il sera difficile pour la police démanteler yo. Moi c'est Désir Venesse Tirivière la Tibonite c'était Crétin Pierrot pour Radio Télé Pyramide. Merci Désir Venesse qui tape banon détail sous Jean situation présenté la na commune Tirivière la Tibonite Jean Soti annoncé non ça le fait autorité la police a prend temps pour yo faire police retourner dans commune Tirivière la Tibonite un bien gagné l'autre foyer gang qui a peu près naissance une situation qui pral rendre travail la police la plus difficile et si au printemps pour yo déraciner gang qui gagne la Tibonite là. Nous avons pile nouvelle matin, nous pas gétan ba ou tout et n'a pas mando pour veiller reste journal. Nous après faut connait que dans capitale là spécialement dans quartier Solino te gagné plusieurs habitants dans quartier ça qui te prend la rue yon jan pour te capable lancer appel la baïa autorité yo pour prédisposition pour yo capable combattre phénomène insécurité a habitant Solino yo et mandé pour tout monde na pays a pour poté coller on jan pour phénomène BK capable yon réalité en côté comment ça té dans zone Solino. Si jeunesse ça ou. Et yo t'en nous ça, nous va tout ça, papa. Nous pas tout.
C'est comme ça, la situation est dans Solino, côté plusieurs milliers de monde qui prennent la rue et ils ont tapé manifesté et ils ont demandé tout l'autre quartier dans la capitale là à respirer pour faire même gens qui ont levé campé pour phénomène et marché chercher bandits capable abouti gagner meilleur changer les mêmes qui c'est un syndicaliste qui a parler nanon tout l'autre temps c'est dit Kayo qui mettait ensemble pour demander tout ta chauffeur pour suspendre circuler sur route Matissan et sorti Bizoton pour juste arriver dans portail Léogane yon gens pour capable permettre la police faire travailler puisque la police a mené opération dans zone ça yon gens pour capable déchouquer tout bandit qui qu'on non seulement opéré sous route Matissan côté qu'on a touché l'argent chaque jour sous chauffeur mais en même temps pour yo déraciner base 5 secondes là qui en dans village de Dieu et changer mais dit yo prend décision ça pour capable faciliter la police fait travail et y a gagné pour yo reprendre transport dans circuit ça les la police ba yo l'ordre pour faire ça les la police senti que gagné bon gens sécurité pour chauffeur circuler dans zone ci là en côté à déclaration monsieur changer mais en tant que responsable transport, nous demandons à la population et transporteurs en particulier qui fréquentent la zone Matissan. Ben, par rapport à nombre de monde nous avons des victimes au niveau Matissan ces derniers jours, nous avons kidnappé, si machine nous avons kidnappé, plus mauvais actes qu'a fait par rapport à machine transport, il y a besoin d'un pile d'âme là-dedans, un pile de profiter des machines de transport pour traverser. Là, c'est pas naïf. C'est au niveau capital là, et nous en pile, ça c'est tout le monde est courant. Côté en pile machine transport, c'est à yo bandi yo, à faire pression sur chauffeur yo, yo prend machine yo dans mes chauffeur yo, mais puis yo continue à faire zak banditis, à passer à exam, munition. Mais pour toute raison ça yo, avec ces derniers temps, ça, la police a réglé au niveau portail de Ogane, village de Dieu, pour en Matissan. Mais nous m'en dit yo, jou ka plein de 15 ans, nous pas autorisé quelle que soit machine pour y passer zone Matissan mais nous même nous profiter des moments où elle a pris sa propre travailler mais nous même comme transporteur pour nous bailler participation par nous demander pour toute machine en général par jambé Matissan à partir de lundi 15 jusqu'à ce que la police reprend contrôle Matissan et pour faciliter le transport fait avec plus ou moins avec plus respect mais pour toute raison ça yo et nous contacter tout responsable surtout grand sud là, ben ça qui a campé, mais nous dit limite sur ces bisoutons jusqu'à ce que la police prenne contrôle Matissan.